qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit du royaume des cieux. Au fait, Joël Crasso. Je suis là ce matin parce que je vais finir un programme avec chacun d'entre vous. Amen. Bonjour à mes yeux de me reposer. Préparer mon voyage sur les États-Unis. Je pense que c'est pour ça que je donnais un message de pointe ce matin. Ce dont Dieu attend de vous, vous le savez maintenant. Vous partez, une fois que vous le servez. Si vous avez cette invitation, vous allez voir Jésus-Christ vous guérir. Justement, le miracle, le déclenchement du miracle. Le déclenchement des miracles dépend de toi. Amen. Tu veux une restauration, tout dépend de toi. Souvent, il y a des gens qui sont à niveau, ils ne savent pas pourquoi ils sont à niveau. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas concentrés sur la prière. Ils ne veulent que l'entretien le prophète pour un bas. Mais le prophète, là, il dépend de quelqu'un qui est là-haut. Amen. Le serviteur de Dieu. Amen. C'est ton cœur, Dieu va regarder. Amen. Voilà. C'est ton cœur. Dieu n'a pas forcément besoin du prophète pour te guérir. Amen. Il est souverain. Pourvu que toi, tu comprennes que tu dépends d'une grâce, c'est la grâce de Dieu qui peut t'aider. Et que tu as besoin aussi de le servir. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. C'est tellement simple. Amen. Nous avons vu des personnes que Dieu a guéries ici. Des personnes qui dialysaient déjà. Qui dialysaient. Sous la puissance de Dieu, on leur a dit, arrêtez de dialyser. Ils ont arrêté de dialyser. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont guéris. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. Nous avons vu des tas de folie, 20 ans de folie, des années de folie, Jésus-Christ a guéri. Amen. Jésus peut encore vous délivrer. Amen. Il peut encore vous restaurer. Amen. Aujourd'hui est un jour de miracle. Amen. Dis à quelqu'un, aujourd'hui est un jour de miracle. Aujourd'hui est un jour de miracle. Dis à quelqu'un, aujourd'hui est ton jour de miracle. Dis à quelqu'un. Aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Dis à quelqu'un, aujourd'hui est ton jour de miracle. Aujourd'hui est ton jour de miracle. Qui croit à son miracle?
Aujourd'hui à ton jour de miracle, dis à quelqu'un. Aujourd'hui à ton jour de miracle. Ça va? Oui, ça va. Sors de ton vivant, sorcier parle. C'est une grâce. Hein? Les yeux sont allés dans la tombe sans que les sorciers les parlent. Ton nom, t'as vu, ton sorcier en train de parler. Mais c'est ta mère. Il faut pardonner. Il faut pardonner et commencer ce travail que j'essaie de faire quand tes frères seront là, peut-être tes parents, tes autres frères, ta famille, qu'on puisse l'aider à quitter cette sorcellerie. On peut changer. Hein? Oui. Okay. Vous de là où venez d'où? Pourquoi c'est la tour de la laisser? Elle a quoi? Bien. Dis à quelqu'un aujourd'hui est ton jour de miracle. Les enfants t'aiment bien, la sorcellerie, en train de gâter la vie des gens. Les gens n'arrivent pas à avancer. Et quand ils n'arrivent pas à avancer, ils vont chercher à savoir qui fait ça. Ils vont demander à Dieu. Parce que quand les choses sont bloquées, on cherche à savoir pourquoi c'est bloqué. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme est fait pour avancer. Et quand on n'avance plus, on se pose beaucoup de questions. Et justement, en interrogeant Dieu, il nous répond. Dieu répond. Ça veut dire que c'est pas bon. Ça va? C'est ce qui lui a donné l'esprit de la société. C'est pour ça que depuis là, je vous tourne, Cet esprit-là qui l'a rendu un peu bête. C'est cet esprit-là. J'ai fait la France quand je te retourne ici. Oh, en France, tout le monde veut être en France. Toi, tu vas en France. Et tu te retrouves ici en Côte d'Ivoire. Tu as tous les papiers. C'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Tout enfant rêve d'aller en France. Toi, tu es en France. S'il vous plaît, en Suisse. Tu pars en France au lieu de te comporter comme une personne sage. Au contraire, il y a des choses bizarres. Or, il y a une explication derrière tout ça. Tout ce qui est bizarre, il y a une explication. Il y a une explication. Tout ce qui est bizarre, le diable est derrière cette bizarrerie-là. Il est derrière ça. Le fait même qu'un enfant soit déjà dans la sorcellerie, vous allez lire ça dans son comportement. Sa manière de faire. D'abord, l'enfant est fronté. Il ne vous respecte pas. Il ne doit plus de respect. Ça, c'est fini. Maintenant, il va commencer la tête, l'enfant, fugué. Il ne se sent plus à l'aise à la maison. Or, il y a tout à la maison. L'enfant ne va plus se sentir à la maison. Vous comprenez? Et vous allez sentir dans son comportement des sales habitudes. Les parents ont tout fait pour ramener l'enfant à la raison. Mais comme l'esprit en lui, bon, vous allez donner le conseil à l'enfant, ça ne va jamais passer. Or, on pense que peut-être qu'amener l'enfant en France, c'est une solution. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est de délivrer. Sinon, amener l'enfant en France, l'envoyer encore du voisin, tu replonges la personne encore dans les vilaines choses encore. Sauf là que quand quelque chose ne va pas, la chose que vous devez faire, c'est d'envoyer la personne à la délivrance. Parce que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force qu'on peut résoudre un problème difficile, spirituel. Qu'un enfant chante du coup, il fait quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on te délivre. Tu as quel âge? 17 ans. Mais tu as de l'avenir. 17 ans.
Ce n'est pas une mince affaire. Ta place, c'est à l'école. Ta place, c'est d'évoluer demain pour que tu t'occupes de ta maman, pour que tu t'occupes des gens demain. Heureusement qu'ici, nous, on n'accuse pas les gens de sorciers. On dit ce qu'ils ont. Parce que c'est deux choses différentes. On accuse quelqu'un parce qu'on le soupçonne. C'est différent, hein? Soupçonner, ok. Ça peut être peut-être une accusation parce qu'on soupçonne. Mais nous autres, on confirme parce qu'on a la capacité de démontrer ça. Voilà. On a la capacité. Quand un médecin te dit que le monsieur, il a telle maladie, je vois qu'il y a devant les gens âgés, ils ne savent pas qu'ils ont dans le diabète. C'est qu'ils vont aller. Ils ont dit, ah monsieur, on découvre. Oh, c'est ça. Ici, il y a même dans le scanner, on a cette capacité de vous expliquer le mal qu'est la personne. En même temps, on enlève le mal. C'est ça. Or, dans d'autres communautés, quand on sent que tu es sorcier, sorcière, ils ont peur. Or, pour nous, la sorcellerie nous amène à comprendre que la personne a besoin d'être aidée. Tout enfant à qui on donne la sorcellerie, c'est que l'enfant est important. Le diable n'utilise pas n'importe qui. Vous m'avez bien saisi? Non. Le diable ne rentre pas dans la vie de n'importe qui. Le diable sait, sachant que tu as une étoile, sachant que tu seras quelqu'un d'important demain, papy vient, il détruit. Tous ceux qui ont été détruits, les enfants, dès le bas âge, tous ceux qui ont été attaqués, c'est que c'est à cause de leur étoile, à l'image de Jésus. Quand Jésus est né, ce qui intéressait le roi, c'était les mages, c'était l'étoile de Jésus. C'est quand ils ont vu l'étoile, ils sont allés dire au roi Hérode. Et quand Hérode a su qu'il avait une étoile, il fallait le tuer. Vous m'avez saisi? Amen. Chacun d'entre nous a une étoile. Et c'est à cause de cette étoile, malheureusement, qu'on est victime de beaucoup de méchanceté. Que la sorcellerie veut nous détruire, que beaucoup de choses veut nous détruire. Mais la chose, c'est d'être dans la présence de Dieu. Pour être épargné de tout ça, il faut être dans la présence de Dieu. Si on n'est pas dans la présence de Dieu, il sera difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous délivre. Dieu passe par quelqu'un pour nous délivrer. Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est que toi-même, que tu sois part entière à lui. Tu ne sois plus de l'autre côté du diable, mais que tu puisses lui servir. Le but pour lequel tu as créé, tu as créé et m'a créé, c'est pour le servir. C'est pour cela que le prophète est chrétien. Il prie. Il lit la Bible. Il a traité sa relation avec Dieu. Donc c'est cette relation-là que vous devez entretenir avec Dieu. Amen. Amen. Si vous entretenez ça avec Dieu, vous allez voir que Dieu sera dans l'obligation. Sans l'aide de quelqu'un, de te délivrer. Parce qu'il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Est-ce que quand tu te réveilles matin, ton souci est de faire la volonté de Dieu? Si oui, tu verras toujours Dieu te guérir. Tu verras Dieu toujours, n'est-ce pas, te bénir. Parce que quelqu'un qui a pour souci fait la volonté de Dieu, il devient ami de Dieu. Il devient ami de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent, s'en fichent. Hein? C'est quand j'ai un problème, hein, qu'il vient là. Il commence à chercher. C'est quel homme qui peut me délivrer? C'est qui? C'est ce qu'ils se disent. Or, il y a une seule chose que Dieu veut de toi, c'est de le servir. Amen. Amen. Tu sers Dieu, tu le verras à l'œuvre. Il n'y a pas une maladie sur cette terre que Jésus-Christ ne peut guérir. Moi, je suis devenu chrétien parce que j'ai été guéri par Jésus. Je suis passé partout. Les médecins m'ont dit, ils ne voyaient pas. Et quand je me suis confié à Jésus, il m'a guéri. Donc, il faut te poser la question. Tu pries, tu n'es pas délivré. C'est pas quelqu'un. C'est toi. Depuis quand tu as une fois vu quelqu'un qui crie vers Dieu, puis Dieu ne l'écoute pas. Maintenant, lui, il te délivre. Dans quel intérêt? Il te délivre pour quoi? Pour le servir. S'il ne voit pas ça en toi, il n'a pas de raison à s'investir en toi. Dieu ne s'investit pas une personne qui ne trouve pas son intérêt. Vous pouvez, à toi-même, tu peux t'investir à quelqu'un qui te bat. C'est bien, c'est comme ça? Le monsieur là, tu dis que lui, il ne t'aime pas. Il ne va jamais t'investir. Parce qu'aimer ne veut pas dire c'est dans la bouche. Demoiselle, ça va, je t'aime. Hein?
C'est un mensonge. Il t'estime. Ouais, le français, là, ça a beaucoup de choses. Hein. T'estimer, il a vu que tu marches peut-être bien, il a regardé un peu, tu es clair, mais tu es noir, il aime tes cheveux. Mais l'amour, ça veut dire qu'il a vu tes défauts et tes qualités, et puis il te supporte. On va bien saisir. Parce que l'amour ne veut pas dire qu'on n'a pas vu ses défauts. Hein. On voit ses défauts pour te supporter. C'est ça qui est très important, on te supporte. C'est comme la femme de monsieur, là. Viens, ouin. Elle a regardé le monsieur, elle dit, bon, quel que soit le truc, oh, c'est ma chose, hein. Il n'a qu'à délivrer son mari, elle est prêt à foutre tout, escargot dedans, il ne va plus manger bien de l'homme, mais c'est escargot, un peu de poisson dedans. Viens là, c'est bon maintenant. Il y a escargot chez vous là-bas? Non, c'est escargot, elle va préparer maintenant. Elle t'a trop mangé bien. Donc, tu ne peux pas t'investir dans la vie de quelqu'un qui ne t'aime pas. Tous nous prétendons aimer Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le diable, on prétend aimer Dieu. Mais est-ce qu'on fait sa volonté? Amen. Amen. C'est cela que moi, quand je priais, j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Je vous ai toujours dit, on est tous pécheurs. Mais la différence entre nous et d'autres personnes, c'est qu'on a la crainte de Dieu. On sait se dire non, à telle heure, il faut que je sois à la maison. Alors ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils s'en fichent. Hein? Et continue. Leur temps, c'est la boisson. Leur temps, c'est dehors. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Lire la Bible, ça ne leur intéresse pas. Passer le temps dans la prière, ça ne leur intéresse pas. C'est quand ils ont maintenant problème qu'ils cherchent à ouvrir l'église. Quand c'est réglé, ils ferment droit à la porte de Dieu. C'est fini. Mais vous pensez que Dieu est bête? Dieu, ce n'est pas vos camarades. Dieu, ce n'est pas votre ami. Il te guérit pour une seule chose, c'est que tu puisses le servir. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. La situation dans laquelle tu trouves, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Pourquoi le diable a eu raison sur toi? Point d'interrogation. C'est que toi, tu as tourné le dos à Dieu. Tu as me dit non, je n'adore pas fêter, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure, le péché veut dire la désobéissance à Dieu. Je vais donner un exemple dans la Bible. Un exemple banal. Vous connaissez Lot? Pour ceux qui connaissent la Bible, il y a beaucoup de gens étrangers à la Bible ici. Pour ceux qui connaissent la Bible, Lot, sa femme et ses filles sortaient de Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? Voilà. Parce que dans ce pays-là, c'était les gars les plus dangereux homosexuels, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu devait détruire Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? La seule chose que Dieu a demandé aux quatre qui sortaient, ne regardez pas derrière. C'est la chose la plus simple. Madame Lot, elle a imaginé. Mais bijoux. Mais tu. Attends, un peu, comment ça se passe? On ne regarde pas derrière. Dès qu'elle a regardé, elle a une statue de sel. On n'a pas dit venir de pécher. Mais elle a désobéi à la parole donnée. J'ai un monsieur qui était pauvre. Il dit, Dieu, tu m'excuses, hein? Mais Adam, mon papa, là, c'est un sauvage. Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Comment tu peux insulter Adam? Il dit, mais Adam est sauvage. Comment il peut nous faire? Il a péché, à cause de lui, on est pécheur. Que moi, je ne vais jamais pécher comme toi. Tu m'insultes, mais il est mauvais, monsieur. Il est mauvais, c'est un faux type. À cause de lui, on est pauvre. Oh, le monsieur, il est vraiment pauvre. Il a un kilo de caramel. Pourquoi c'est la kilo de caramel? Un kilo de caramel. Ça dit, il marche, mais tu vois tout. Il n'y a plus de jus dans son pantalon. C'est fil. Et puis, poche, vous voyez, les fesses là, ça fait tampon. Donc, on souffle son manteau.
Il a tout ça, ça, sur poche, là, derrière la fesse. Il est pauvre. Il y a pauvreté, puis il y a pauvreté. Hein. Il y a une autre pauvreté, une pauvreté sans nom. Tu le regardes, il dit, pour moi, bon. Mais j'ai, pardon, pourquoi me dire bonjour, t'as fait condamné. Donc il est pauvre, donc à cause de ça, il était aigri, il parlait mal, insulté. La pauvreté, là, ça rend aigri. Hein. Évitez d'être pauvre. Travaillez. Parce que quand tu es pauvre, tu deviens bizarre. Celui qui est pauvre, il n'a pas une bonne pensée. Donc Dieu dit, bon, il est descendu chez lui. Dans une baraque bizarre. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux te servir. Si tu me bénis, c'est fini. Moi, je te respecte. Il avait sa petite famille, une fille, un garçon, plus une femme. Dieu dit, ferme les yeux. Attrape ta famille. Ils ont fermé les yeux. Ils se sont retrouvés dans un château en or, tout en or. Okay. Il est content, il est allé servant. Du coup, il est bien habillé. Il veut manger, le frigo est rempli. Le Seigneur dit, viens. Viens, avec la famille, tout ça. Madame, les enfants, cette couverture qui est renversée là, te retourner ça. Si tu retournes ça, tu vas devenir pauvre. Dis-moi, Dieu, moi, qui tu regardes comme ça, je connais bonheur et puis devenir pauvre. C'est pas moi. Je dis. Sa femme dit non, non, non. Les enfants disent ok. Un an, deux ans, trois ans. Il passe, oui, madame dit, et Zadi, où tu passes là? On va passer là-bas. Ah non, j'ai oublié. Oh, le cœur du monsieur veut chercher à savoir ce qui est sous la cuvette. Le cœur de l'homme est dangereux. Dis-moi une frite, dis-moi un hamburger. Tout ce que tu veux manger, c'est là. Il y a l'or, il y a l'argent. Mais c'est ce qui est sous la couvette là qui t'intéresse. Et tout. Quand sa femme voit là-bas. Les femmes sont bien. Mais c'est la vue que. Ah, galère. Richesse est bon que galère. Elle voit que le monsieur même ne dort pas. Il est couché. Il demande à sa femme. La cuvette. Pardon. On mange, on a tout ici. Ce qui est derrière la cuvette là, il y a quoi de. C'est ce qui t'intéresse. Oh, le monsieur, il ne dort pas à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? À cause de ce qui est sous la cuvette, il ne dort pas. Donc, désormais, quand il se lève, sa femme le suit. Parce qu'elle a compris ses intentions. Elle a dit que le monsieur là, il n'a pas de bonnes intentions. Il ne dort pas à cause de ce qui est sous la couverture. Quelle marche elle le poursuit? Et que l'ami garde le corps. L'homme, vous voyez, on ne peut pas suivre l'homme. Ah non, 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 non. Dieu respecte nos volontés, on ne peut pas suivre l'homme. Il a regardé tout le monde d'or. Il a laissé tout le monde d'or. Il a dit tout le monde. Ça touche le fond, ça. Oui, non, 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 ça va. Oui, non, non, non. Oui, non, non, non. Très bien. C'est celle-là même qui t'aime. Le problème, elle dort même. Qu'est-ce que c'est pour qu'il n'a pas donné son uniforme même? Elle a vraiment dormi. Tous les enfants dorment. Regarde. Il va voir. Il dit attends. Il y a quoi dans ça? Rien! Dieu est venu. Dieu dit, t'as trouvé quoi? Tu as trouvé quoi? Et là, il dégage. Tu as trouvé quoi? Rien. Qui sait? Tu as pris piqué Adam. Parce que Adam n'a pas dormi dans un château. Quand tu es dans un château. Ce que tu as connu, Adam n'a pas connu. Vous comprenez? Il n'a pas connu ça.
on t'a seulement dit, eux au moins ils ont mangé fruit. On peut penser qu'ils ont fait. Mais toi, on dit, il ne faut pas renverser qui veut. Et tu voulais chercher quoi là? Tu as vu l'or. Dieu a mis dans sa maison l'or, diamant, toutes les pierres précieuses. Mais ça a fait de cuvette renversée là qui l'intéressait. Son souci, quand il dort la nuit, comment aller tourner la cuvette et puis il va voir ce qui se passe dans toute la cuvette. C'est ça un peu l'or. Et quand ils ont fini, Dieu dit, bon, tu ne mérites pas le palais. Lui, il est convaincu qu'il va sortir du palais. Il est parti sans nous. Amen. Amen. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est l'obéissance. Amen. Amen. C'est tout. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Amen. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Il veut la puissance de Dieu se manifester. Amen. Amen. Je pense qu'on a compris. Sortir d'ici, on va les servir. Si tu ne sais pas, les problèmes demeurent. Ça va demeurer. Tu vas aller partout, il va te guérir. Et puis tu vas aller embarrasser le diable. Donc il est malade ou bien. Il fait un travail, toi tu vas chez le diable. Vous êtes sorcier. La vie a parlé. Et vous? Qui veut parler? On a forcément. Tu vas parler. D'accord. Tu vas parler quoi? Elle va dire quoi? Il est guéri. Hein? Mais tu es sorcier, comment tu t'accuses? On veut te délivrer, on t'accuse. C'est toi. La vie, elle avait quoi? On va se tenir debout, on va prier. Je vais recevoir les gens. Tenez-vous debout. Vous connaissez le principe du miracle, tout dépend de toi. Mettez la main sur la tête que je prie pour vous. Mettez la main sur la tête. Qu'on va faire, essayez-vous. L'arranger où je suis se tient debout, n'est-ce pas? Comme ça, on va aller arranger par arranger. Donc, je vais faire partie. Doucement,
fais pas un. Je suis en train de vous guérir au nom de Jésus. Soulevez encore. Soulevez encore. Soulevez encore. Soulevez encore. Soulevez encore. Plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Tu pourrais descendre. Descends le bas. Descends le bas. Sorcellerie vous va détruire, mais Jésus, tu vas te guérir. Amen. Tu ne peux pas marcher sans la peine. L'absence de ton cœur, mais ça va revenir. Ça va revenir au nom de Jésus. Marche. Allez, marche.
détacher son cou. Je brise cette chaîne. Nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu te libère. Lâchez son cou. Lâchez ton cou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez son cou. Dans le nom de Jésus. Lâchez son cou. Au nom de Jésus. Hey! Le feu. Lâchez son cou. Au nom de Jésus. La main de Jésus te libère. La main de Jésus te libère. Sa main te libère. Sa main te libère. Sa main te libère. Ta main te libère. Tu es en train d'être guéri maintenant. Ton cou commence à être libéré. Ton cou commence à être libéré. La puissance de Jésus-Christ commence à te guérir depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. Sa puissante main te guérit maintenant. Le cou est libéré maintenant. Le cou est libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cou est libéré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Le cou est libéré. God, le feu de l'esprit. Jésus libère depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. La puissance de Jésus-Christ te libère maintenant. Une onction particulière descend sur toi et Jésus-Christ te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Lâche-la! Feu! Le feu consume vos œuvres dans ce corps. Le feu consume vos œuvres dans ce corps. Et son cou est libéré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu crois que tu es guéri? Amen. Marche. 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 Étouffée. Faut pas la regarder comme tu la voyais avant. Le miracle est tellement simple, c'est de croire que maintenant Jésus est en train de me guérir. Amen. Et de croire que je suis guéri. Amen. Et de poser un acte, c'est tout. De marcher par la foi, de se lever par la foi, de croire, et tu verras. Parce que dans le miracle, il y a ta part. Jésus dit, lève-toi et marche. Ça veut dire que lui doit se lever. La part de Dieu, c'est de guérir ses pieds, mais lui, sa part, c'est de lever et qu'il marche. C'est le principe du miracle. Souris décomposée, mais qui est dans son monde qu'on a lancé mystiquement. La puissance de Jésus. Je sens une présence. Je sens cette présence. C'est une souris qui marchait, donc elle a commencé à se décomposer. La puissance. Allez. Lâche.
Matin même, Jésus a décidé de te libérer. Je proclame ta délivrance maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Ton âme ne sera plus entre la main de tes ennemis. Entre la main de tes ennemis. Donc Jésus-Christ te libère. Jésus te délivre ce matin. Jésus te délivre ce matin. Oui. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. Reçois la délivrance. Amène-la la délivrance. Soulevez-la et amène-la la délivrance. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a une équipe là-bas qui prie pour les gens. Comme feu consume tes œuvres dans ce camp. Consume tes œuvres dans ce camp. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Jésus.
l'attraper la chair, c'est elle qui doit attraper d'abord. Lâche-la. On va la libérer. On va la libérer. Il ne faut pas que sa tête soit le mur. Amenez-la moi ici. Amenez-la moi ici. Lâche-la. Ne la laisse pas. Si. Ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Je ne la laisse pas. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Va la libérer. Si. Si. Lâche-la. 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 Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est dans sa vie? Qui est dans sa vie? C'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Tu vas parler? Si, tu parles et tu la libères. C'est un ordre. Tu m'entends? Tu parles et tu la libères. Si, tu parles et tu la libères. Tu parles. Libère-la. Libère-la. Tu vas partir. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. La fin de ton règne. Tu pars, tu lâches. Tu la libères. Tu pars maintenant. Tu la libères maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Tu lâches. Tout ce que tu as mis sur elle, pars avec. Voilà, pars avec. Pars avec. Pars avec. Pars avec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars avec. Pars avec tout. Maintenant. La puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. Je marre
de sa vie. Tu pars. Et maintenant. Va-t'en. 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 Oui, va-t'en. 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 Ce corps expérimente maintenant la puissance de Dieu. Ce corps expérimente maintenant la puissance de Dieu. Oui. Lâche-la. 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 Jésus de Dieu. Jésus. Mais là, vivant. Ses parents, toi qui l'empêches de poursuivre ses études, esprit maléfique, au nom de Jésus, son corps part, je pars dans l'église arrive, au nom de Jésus, je libère son âme, au nom de Jésus, lâche-la. Libère-la. Aïe! Le feu! Lâche-la! Aïe! Le feu! Allez! Feu! Le feu! Le feu! La puissance de Dieu, tu vas la libérer! Tu vas la libérer! Tu vas la libérer! Tu vas la libérer! Au nom de Jésus! Le pauvre n'avait pas mangé ma tête. Tu vas la libérer au nom de Jésus. 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 La puissance de Dieu. 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 Il y a quelqu'un qui est possédé. La puissance de Dieu. Chandelle! Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Si. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche ta vie maintenant. Lâche ta vie. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. Lâche ta vie. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Va-t'en. Sors d'elle. Sors d'elle. C'est la formation, c'est ça? Tu fermes. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Oui, lâche-la. Libère ses études. Libère sa vie au nom de Jésus. Toi qui l'empêches d'aller à l'école, qui l'empêches d'obéir à ses parents, tu vas la libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissance de la sorcellerie, puissance de la sorcellerie, puissance de la sorcellerie, puissance de la sorcellerie, tu vas la libérer, tu vas la libérer. C'est un ordre. Va-t'en. Va-t'en. Ça dit, si maintenant n'est pas délivré, vous voyez quand la voix du bandit, elle est tchèque, elle est tchèque. Oh, il y a force dedans. Ça veut dire qu'il y a un esprit. N'est-ce pas qu'il anime? Voilà, c'est l'esprit qui donne cette force-là. Or, si elle est délivrée, vous allez voir qu'elle sera maîtrisée. C'est ça qu'il faut que nos enfants passent forcément la délivrance. Nos maris, nos femmes, passent à la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance maintenant. Tu vas la libérer.
vas la libérer. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Et maintenant même, dans le nom de Jésus. Maintenant même, dans le nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Libère sa vie. Maintenant même, libère sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu la libères. Tu la libères au nom de Jésus. Viens, 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 toi, tu te dis là, viens. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. Vas-y, c'est parti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Libère-la. Allez. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vaincu, tu es déclaré. Tu quittes définitivement son corps. Tu quittes définitivement sa vie. Et dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu libères son âme, tu libères sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la libérer. Cette vie ne t'appartient pas. C'est cela que tu pars. Tu pars. Et tu quittes sa vie, au nom de Jésus. Totalement sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vraiment. Et totalement sa vie dans le nom de Jésus. Oui, il attend. Il attend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu la libères. Tu libères son âme. Et tu libères son esprit. Au nom de Jésus. Qui sait parler guéri ici? Il n'y a pas guéri? Il y a une main ici. Assez. 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 Guy. Guy. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est quoi? Et toi là. Je ne vais pas perdre, je suis bien bon. La vieille à quoi? Elle est quoi? On a bien. Il est sorcier ou pas? Elle est sorcière. Stop. Tu as tué. Elle a tué. Hein? Bien. Ça va bien la fin un peu. Elle a tué. Elle dit quoi? Elle a tué ses enfants. Combien d'enfants? Elle a calé vite, vite, chanter des prières. 5 enfants. Ouais, dans le nom. Elle dit quoi? Kawaii. C'est qui? Demain,
famille. Comment elle a tué les autres? Cougnon, là, comment elle a tué? Comment elle tue les gens? Les échanges, les trocs. Viens guérir. Il ne faut pas avoir peur, on ne va pas demander leur nom. On ne va pas demander leur nom. Non, je n'ai pas dit le nom de bon, elle est troque, elle échange. C'est ça? Maintenant, elle a gâté la vie de qui? On a mis au point d'or. La vie de ses enfants qu'elle a gâté. Elle a combien d'enfants qui sont vivants? Et les quatre là, elle a fait quoi? Elle a gâté qui elle? Voilà, nous on a gagné. Je suis maintenant là, je poursuis la prière. Je poursuis. Imposez les mains. Je vais voir tout le monde, ceux qui délivrent. Pour le groupe d'intercession, commencez à prier pour tout le monde. Je fais tomber tous les masques de ta vie au nom de Jésus. Je prie de la vie. Je
grâce, les portes de l'Esprit du mariage, à l'invasion de Jésus. Je pense que ça va pas venir sur le nom de Jésus. Je pense que la lutte n'est pas la puissance de l'ensemble. Je réponds sur la faveur de Dieu, au nom de Jésus. Je tourne toutes les portes. Je chasse tous les chrétiens qui venaient loger dans la conscience au nom de Jésus. Je chasse l'esprit au nom de Jésus. Je libère ton mal et tout à fait avec ma puissance de l'ensemble. Je réponds sur la faveur de Dieu. Je tourne les portes de la grâce, les portes de l'élévation. Les portes du succès, les portes du mariage, je fais tomber les masques avec le nom de Jésus. Je déclare que je vais tomber à la source de Dieu. Le nom de Jésus, je sors de Dieu. Je sors de nom de Jésus. Je ta vision, le nom de Jésus. Je sors de toi. Je fais sa venue, les appels. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons besoin de nous. Nous sommes les plus humains de Dieu. Allez. Libère sa vie, libère sa vie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, la puissance de Dieu. Allez, vas-y. Allez, vite. Attends. Maintenant, mais vite, ça. Va t'acheter. Voilà, j'aime tout ça. Lâche-la. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Dans le nom du sang de Jésus, lâche-le. Dans le nom du sang de Jésus,